Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qu'il lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Renforcée par l'Esprit Saint, elle se multipliait.